Le plus gros sujet du moment, c'est quand même de garder le lien avec les équipes, même si le télétravail, c'est super. Mais pour certains, c'est sans doute compliqué. Moralement, il faut qu'on continue l'activité. Nous, on est une coopérative, donc on s'occupe beaucoup de nos adhérents qui, eux, n'ont pas fermé pour la plupart pendant cette période de confinement. Et donc, il faut qu'on continue à travailler pour eux. Il y en a beaucoup qui sont restés ouverts parce qu'ils vendent des produits de matériaux de construction. Donc, nous, on a les équipes derrière. Je pense que le plus gros sujet pour le moment, c'est vraiment du management. C'est de les aider à décrocher, à garder le moral. Donc, voilà. Confiné, hein, mais avec une terrasse, donc avec un peu plus de chance que certains. Globalement, moi je vis bien, je suis très heureux d'être à la maison. Après, c'est plus une idée, l'idée de me dire je peux pas faire ce que je veux quand je le veux. Voilà. Et après, le plus dur, c'est d'oublier que je travaille à côté du frigo. Alors, plein de choses variées. J'ai mis Deezer et qui me guide dans la playlist du moment, la playlist du jour. Je fais confiance à cette appli qui commence à bien me connaître. La cuisine, ça a été de réinventer des recettes. Moi, j'adore faire à manger. Donc, j'étais dans la réinvention totale. Alors, il y a eu des très grandes réussites et je pense quelques petits ratages. Voilà. Finalement aucune, parce que le déconfinement ça a été aussi pour moi un détox digital. Alors à part Zoom, mais j'ai paradoxalement très peu regardé ce qui se faisait comme appli sur internet et j'ai profité du déconfinement pour lâcher un peu. Ça a été un grand moment de pause. Et alors, les 15 premiers jours, on a beaucoup, beaucoup travaillé pour maintenir l'activité. Mais ça a permis de prendre une forme de recul, de se poser des questions sur la manière dont on consomme, sur la manière dont on vit finalement. Donc, c'est surtout ça que je retiens. Parce que si tout le monde en ressort en ayant un peu grandi et mûri sur ce sujet-là, ce sera pas mal.